Voilà, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour cette journée qui est achevée. Nous sommes dans une nouvelle journée déjà. À bientôt. Nous serons dans une nouvelle journée et voilà. Il y a ce sujet sur lequel j'ai réfléchi un peu et je pense c'est un sujet qui a fait polémique. J'ai suivi certaines personnes intervenir là-dessus, mais j'ai beaucoup hésité avant de me prononcer là-dessus. Mais je pense que c'est important que je puisse me prononcer par rapport à ce sujet. De la nouvelle, j'ai réécouté la vidéo plusieurs fois du pasteur Marcelo Tunassi qui a déclaré qu'il n'a pas reçu le don de célibat et qu'il ne restera pas longtemps célibataire, confirmant par là qu'il se remariera bientôt, en tout cas qu'il n'a pas l'intention de rester longtemps célibataire. J'ai suivi la vidéo, je l'ai réécouté, j'essaie de voir un peu ce que d'autres personnes ont pensé de cela. J'ai vu une vidéo tout à l'heure quand je revenais. Je ne sais pas si c'est sa belle famille qui a réagi par rapport à ça. Et je pense que pour moi, je me suis dit que c'était important que je puisse parler un peu de ça parce que la situation qu'il a vécue, nous sommes passés aussi par là. Personnellement, je suis passé par là. Je sais un peu ce que c'est. Je connais ce que quelqu'un peut ressentir dans une telle situation, ce qu'une telle expérience peut produire en une personne. Et donc, je me suis dit, ok, il faut quand même dire une ou deux choses là-dessus. Le pasteur Marcelo Tunassi, aujourd'hui, c'est une personnalité publique. Et quand vous devenez une personnalité publique et une icône dans l'église, ça devient dangereux, quoi. C'est dangereux pour vous-même d'abord. Ça devient dangereux pour vous. Vous ne vous appartenez plus à vous seul. Vous ne faites plus les choses juste pour vous seul. Vous faites les choses en considérant aussi les autres, en fait. C'est ça. C'est ça le problème avec les personnalités publiques. La situation qu'il a vécue est une situation triste et malheureuse. C'est une situation qu'il faut vivre pour connaître, pour comprendre. En même temps, la déclaration qu'il a faite après 3 ou 4 mois du deuil de sa femme est aussi une déclaration très forte. Elle aussi forte que l'expérience qu'il a eue, celle de la perte de sa chère épouse. Maintenant, lorsqu'un homme perd sa femme ou lorsqu'une femme perd son mari, qu'est-ce que la Bible dit de ça? On va d'abord lire ce que la Bible dit. Dans Romains 7, verset 2, la Bible dit « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari » tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Dans le même chapitre, dans l'autre livre, le premier livre aux Corinthiens, chapitre 7, le verset 39, l'apôtre Paul reviendra encore dans une déclaration presque similaire. Il dira, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, le fondement biblique sur la mort d'un conjoint, c'est que la femme ou l'homme sont liés par le lien du mariage jusqu'à la mort. Lorsque l'un des conjoints meurt, l'autre est libre de la loi sur le mariage qui les liait. Cette alliance, c'est la mort qui la brise en fait. La personne qui est restée vivante est déchargée de l'obligation du mariage vis-à-vis de l'autre et désormais
est libre, elle redevient célibataire. Elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit avec un croyant. Donc il est clair que, conformément à cette parole de l'Écriture, mon frère bien-aimé, le pasteur Marcelo, est libre de se remarier à qui il veut. Il est libre de le faire, de prendre n'importe quelle femme, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle race, et d'épouser la femme de ses rêves, selon le désir de son cœur. Et puis, c'est sa vie, c'est sa responsabilité. Il est libre de faire ce qu'il veut. À partir du moment où son ex-épouse est retournée au Seigneur, il a été libéré. Juste après la mort là, il était libre. Et j'ai vu que pendant le deuil, on a enlevé son alliance et tout. Ça paraît choquant de façon, j'ai dit, de prime abord. Mais bibliquement, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Enlever l'alliance, ce n'est pas un péché. Donc, qui se remarie demain ou après-demain, il ne pêche pas. Mais si c'était remarié juste le lendemain de la mort de son épouse, il ne serait pas en train de pécher à la lumière de la doctrine biblique aux croyants. Mais seulement, ce qu'il faudrait aussi considérer, c'est que nous ne vivons pas seulement à la lumière des Écritures. Non, nous ne vivons pas seulement à la lumière des Écritures. Nous avons d'autres codes de vie qui ont été toujours imposés par Dieu, qui sont différents de la parole de Dieu, mais qui ont aussi autant d'importance dans nos vies, d'influence sur notre biotope que la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il va enseigner, dira, même l'apôtre Paul le dira, il va prendre la nature. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que... Voilà. Et là, il revient sur le plan de la culture, le plan culturel. Même si d'un point de vue biblique, ce n'est pas un problème, il a raison de le faire. Vraiment, s'il se remarie, personne ne peut lui dire qu'il a péché contre Dieu, non. Seulement, il y a des considérations autour. En tant que personnalité publique et en tant qu'une personne qui a vécu avec une femme pendant quand même un bon temps de sa vie, avec qui il a eu des enfants, en ce moment-là, on n'est pas toujours forcé de suivre ce que la Bible dit. Je pense qu'on essaye d'agir avec le bon sens en ce temps-là. La nature nous enseigne aussi. On laisse la nature nous enseigner. On a des obligations vis-à-vis de l'être qu'on a perdu. Je pense que à cause de l'être qu'on a perdu, on peut se dire, quoi que la parole de Dieu puisse dire, que je suis libre, je vais quand même respecter la mémoire de celle qui est partie, je vais faire son deuil, je laisserai mes enfants, qui sont ses enfants, faire leur deuil, parce que c'est une grosse blessure en fait, guérie de cette blessure-là. Je laisserai aussi ma communauté guérie de la blessure d'avoir perdu leur maman, et après cela, je prendrai mon engagement. Je pense qu'à ce moment-là, en tant que personnalité publique et une icône dans l'Église, on ne prend plus une décision juste pour nous en pensant à nous-mêmes. On doit penser aussi à ceux qui nous entourent, ceux qui ont vécu la situation avec nous, ceux qui ont été éprouvés avec nous, ceux qui ont été endeuillés avec nous, ceux qui ont été blessés, tout comme nous, dans la situation. Donc, il y a un ensemble de choses qu'il faut considérer dans ces cas. Donc là, on le dit, c'est personnel, c'est optionnel, c'est pas une obligation, mais c'est juste une normalité, c'est juste quelque chose de bon sens. On parle du bon sens, on parle de passé. Si vous avez vécu quand même plus de 10 ans, 20 ans avec une femme, comme ça a été son cas, et qu'elle meurt, et vous remariez 3 mois après, ou 4 mois après, ou 5 mois après, je pense que même la loi, chez nous au Cameroun, la loi stipule clairement que lorsque vous perdez un conjoint, vous êtes obligé d'attendre 6 mois. Vous êtes obligé d'attendre 6 mois pour vous marier, pour vous remarier. Si vous mariez avant les 6 mois, votre mariage est illégal. Vous serez passible d'une punition au niveau juridique.
Donc, si la loi des hommes dit une telle chose, c'est parce que je pense que on considère que il faut respecter un peu la mémoire, il faut respecter, prendre un temps, respecter la mémoire de la personne qui est partie. Quand j'ai appris ça pour la première fois, j'ai pas cru. Donc, j'ai pas pris ça comme une information réelle. Je me suis dit, c'est le sabotage qu'on fait sur Facebook. Donc, j'ai laissé passer ça. Après, j'ai vu un homme de Dieu parler de ce sujet. Et j'ai dit, attends, mais l'affaire, si ça doit être sérieux. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire des recherches. Je me suis rendu compte que oui, le frère bien-aimé a fait une déclaration sur ça. J'ai dit encore, c'est pas un péché. Mais au moins, à cause du peuple, à cause de ses propres enfants. Parce que vous imaginez que vous perdez votre époux, vous remariez 3 mois après, 4 mois après, 5 mois après, même 6 mois après. La question qu'il faut se poser, il ne faut pas se regarder soi-même. Peut-être, toi-même, tu peux être prêt pour te remarier, mais est-ce que les enfants de ta défunte épouse sont prêts déjà à recevoir dans la maison une nouvelle maman? Il faut penser à eux. Ce n'est pas une décision, heureusement qu'il a des grands enfants. C'est une décision qu'il faut prendre et il faut mêler les enfants dedans. C'est des grands enfants. Ils ont été beaucoup attachés à leur maman. Ils ont été blessés. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut parler avec les enfants. Leur dire, ok, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Voilà ce que je veux faire. Voilà. Se rassurer, est-ce qu'ils sont guéris? Parce que le danger dedans, c'est de prendre une femme. Tandis que les cœurs des enfants ne sont pas guéris. Les cœurs de l'église ne sont pas guéris. Cette femme elle-même ne se sentira pas à l'aise. Elle ne se sentira pas à l'aise. Lorsque la maman de Jemima est retournée au Seigneur, je prends mon cas, mon exemple à moi. Sa maman est morte, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Elle est morte un 5 mai. Un 5 mai. Ce que je vous dis ici, c'est une confidence que je veux faire. Donc, la maman de ma fille est morte un 5 mai. Elle devra avoir 3 ans. Parce qu'elle aura 7 ans ce mois-ci. Donc, 3 ans, elle avait 3 ans. Donc, quand sa maman est morte, elle ne se rendait même pas compte que sa maman est morte, en fait. Quand on enterrait sa maman, elle riait, jouait et tout. C'est récemment qu'elle m'a demandé, mais pourquoi quand maman est morte, vous ne m'avez pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit, papa, et tout ça là? Je lui ai dit, non, tu étais là, mais ta conscience n'était pas encore éveillée. Mais est-ce que vous savez que, voici bientôt 4 ans, chaque 5 mai, elle se réveille en pleurant. C'est-à-dire, elle commence à pleurer dans le rêve. Elle pleure dans les rêves. Et comme elle dort avec moi, elle pleure dans les rêves. Maman me manque. Je veux maman. Je veux ma maman. Je veux ma maman. Maman me manque. Et je la réveille. Elle a l'âme. Il y a quoi dire? Maman me manque. Elle l'a fait ça. Chaque 5 mai. L'année passée, elle a fait ça le 4 mai. Pourtant, elle n'était pas encore éveillée pour connaître la différence entre les mois, les dates, les jours, etc. Mais l'attachement à sa défunte maman a fait en sorte qu'elle ressente cela. Le jour de la mort de sa maman, elle ressent cela. Et elle se réveille en pleurant dans le rêve. Elle pleure, maman, maman, je veux maman, pourquoi maman est morte et tout ça. Et récemment, ça ne fait pas 2 semaines, elle a engagé les pleurs à la maison. Elle m'a demandé pourquoi Dieu a-t-il repris ma mère tôt. Pourquoi Dieu n'a pas laissé qu'elle vive encore longtemps? Pourquoi Dieu l'a prise tôt? Pourtant, maman ne voulait pas mourir. Donc, elle m'a parlé, j'ai essayé d'expliquer. Mais elle a pleuré. Donc, ça, c'est une enfant qui a 6 ans. Elle aura bientôt 7 ans. Mais il y a cette douleur dans son cœur. Il y a cette blessure profonde dans son cœur. Il y a ce manquement. Et à partir de ce moment, il faut faire attention. Parce que le danger de ces choses-là, c'est que les enfants peuvent t'en vouloir que nos cœurs n'étaient pas assez guéris
que tu amenais une autre femme, ça veut dire que tu n'aimais pas notre maman comme on voyait. Ben, je pense que le couple du pasteur Marcelo, c'est un couple qui a été un modèle, un exemple pour l'Église. C'est un couple que moi-même j'admirais beaucoup. Bon, mais bibliquement, ce n'est pas un péché, mais humainement parlant, socialement parlant, culturellement parlant, on se dit quand même que à cause de l'amour qu'il y a eu entre eux, à cause de cet attachement, et qui a aussi fait que nous aussi, on a aimé cette maman, et on l'a aussi, on s'est aussi attaché à elle. On a vu, on les admirait et tout. On dit en mémoire d'elle quand même, il faut respecter un peu sa mémoire et attendre. Le mariage, on ne s'en va pas fuir. On peut bien s'abstenir quand même quelques années, quelques temps. On peut s'abstenir quelques temps juste par respect pour la personne avec qui on a été. Par respect pour ses enfants, par respect pour l'Église dont elle était la maman. Parce que s'il décide de se marier aujourd'hui, l'Église ne va pas lui dire non. Mais il y aura des mécontents en fait. Maintenant, une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas impossible de se remarier en 3 mois ou en 6 mois. Ce n'est pas impossible. Mais c'est difficile. Ce n'est pas facile non plus. Parce que s'il faut se remarier après 4 mois, 5 mois, 6 mois, quoi qu'il n'ait pas donné la date, il a dit bientôt, ça peut faire des années. Mais on s'arrête juste sur bientôt, à court terme. Tu ne peux pas te remarier en 3 mois, ou en 4 mois, ou en 5 mois, ou en 6 mois. Non. Même 1 an pour moi, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a une période de préfiançailles. Tu vas observer une femme. Tu vas observer son caractère. Tu vas lui caracoler, chevaucher autour. Et puis, tu entres dans la relation, la période de fiançailles. Mais vous observez, tu regardes, tu l'étudies, tu étudies son comportement, son tempérament, son caractère, ses actions, ses réactions, ses convictions. Est-ce qu'elle te sied? Et il faut du temps pour connaître quelqu'un. Et c'est après ça maintenant qu'on peut aller au toqué-porte, et puis à la dot, et puis au mariage. Donc c'est un long processus. Parce que la vérité, on est des hommes. Moi, on a tellement entendu des choses sur nous. Si le pasteur Marcelo se remarie en 6 mois, je pense que les gens vont se dire que la femme là était là depuis. Ça, les gens vont dire ça, c'est clair. Et ils vont dire ça avec raison. Parce que c'est un raisonnement normal, en fait, simple. Parce que tu ne peux pas perdre ta femme en 3 mois ou 4 mois, tu te remaries, ou 5 mois, 6 mois, tu te remaries directement là. L'impression que ça va donner, c'est que cette femme-là, parce que si tu te maries à une femme, c'est que tu la connais, tu l'as acceptée. Mais l'impression, c'est que même quand ta femme était vivante, celle-là, tu la connaissais. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, en fait. Je dis la pensée normale, la réaction naturelle que ça peut produire. Et ça ne peut pas manquer. Les gens vont dire ça. Peut-être ses propres enfants ne lui diront pas ça, parce qu'ils lui font confiance. Mais ses ennemis prendront ça pour acquis et ils vont le détruire avec. Il dit non, en 6 mois tu te remaries. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de période de fiançailles, sauf si la période là existait déjà. C'est quelqu'un que tu as observé, même vivant ta femme, tu l'as connue, et puis tu t'es dit, bah, avec elle ça peut marcher et tout. Bon, voilà. Donc, mais pour éviter donc tout ça, quoi que la Bible nous donne l'autorisation de le faire, on peut aussi parfois écouter la nature, écouter les cœurs des gens autour de nous. Et puis ne pas être en scandale aux autres. La Bible dit que si tu peux manger la viande, mais que la viande est un scandale et un scandale à ton prochain, mange les légumes sans viande. Pas parce que c'est un péché de manger ta viande, non. Mais parce que l'autre n'est pas assez mature pour comprendre que tu manges la viande qui a été sacrifiée aux idoles. Mais toi, tu sais qu'il n'y a pas d'idole, qu'il n'y a de Dieu que ton Dieu. Comme le dit la Shema Israël, Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim est un seul. Yahweh. Donc, toi, ta foi, elle est mature. Tu as vu la viande sacrifiée aux idoles. Tu as pris ça, tu as sanctifié. Tu as dit, tout est sanctifié par la prière. Tu manges, ta conscience est tranquille. Mais l'autre qui est faible, il voit que c'est sacrifié aux idoles. Il croit aux idoles. Il va dire, tu manges ce qui est souillé. Il sera scandalisé. La Bible dit que dans ce cas, ne mange donc pas la viande sacrifiée aux idoles. Mange juste les légumes par amour pour ton frère. Donc, il y a des décisions qu'on peut se priver par amour pour les autres, pour que la paix règne, pour que l'harmonie puisse régner autour de nous.
Donc sincèrement, que Dieu fortifie son serviteur, que le Seigneur le soutienne. Et puis une autre chose qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, mes amis, se marier n'est pas facile. Se marier, trouver la bonne personne n'est pas facile. Il faut que les gens comprennent cela. Trouver une femme, c'est pas facile, mes amis. C'est compliqué. Tu ne te lèves pas seulement, tu viens, tu prends une femme. Non, c'est un processus. Je ne sais même pas ce qui se passe avec l'église aujourd'hui. C'est devenu trop compliqué. Tu vas voir une femme, tu vas te dire, ok, bah, si ça c'est une bonne femme. Elle va te sortir à un. Tu vois l'autre, tu dis, oh, bon, c'est pas l'apparence. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour regarder le comportement de quelqu'un, étudier profondément la personne. Et ça demande du temps. Mais si c'est fait précipitamment, ça veut dire qu'on a connu la personne avant. C'est tout ce que ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas épouser un inconnu ou bien une inconnue. Et quand bien même on aurait trouvé quelqu'un de bien qu'on a observé avant, qu'on a connu et tout, parce que c'est une bonne personne, elle peut nous aller tout. Bon, maintenant, on peut quand même dire que je vais attendre. Pour ne pas paraître insulter la mémoire de ma défunte épouse. Maintenant, vous regardez. La Bible dit qu'un homme peut répudier sa femme sauf pour cause d'adultère. Sauf pour cause d'adultère. C'est ce que la Bible dit. Mais on n'est pas forcé d'appliquer cela. Non. Parce qu'il y a une loi au-dessus de celle-là. C'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Donc, un frère dira, ma femme m'a été infidèle, je demande le divorce. Et il a répudié. Un autre dira, ma femme m'a trompé, c'est vrai. Mais quand je pense à tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi au début, à mes faiblesses, à mes erreurs qu'elle a eu à pardonner, quoique la Bible me donne le droit de la répudier, je n'appliquerai pas ce droit par amour. J'appliquerai la loi de l'amour qui est supérieure à la loi du talion. Et il pardonne. Il pleure, ça fait mal. Il pleure, il fait son deuil. Après, il pardonne à sa femme. Et il ne la voit pas comme une femme adultère. Parce que l'amour de Christ sanctifie sa femme à ses yeux. Et ce frère-là n'aura pas péché. Au contraire, il aura gagné une âme devant le Seigneur. Il aura été un modèle dans l'église et devant Dieu et devant les hommes. Parce que lorsque vous aimez votre femme en tant qu'homme de Dieu, nous sommes les personnalités publiques, automatiquement les gens les aiment aussi. L'église va les aimer, vos amis vont les aimer, même des personnes que vous ne connaissez pas vont aimer votre épouse. Tous ceux qui croient en vous aimeront ces femmes. Parfois même, il y a même les gens qui ne croient pas en vous, mais qui aiment votre femme. Maman Blanche, c'était, pour moi, c'est une femme extraordinaire. Je vous assure. C'est une femme pour qui j'avais une grosse admiration. Donc sa mort m'a choqué. Ça m'a choqué. Et ça fait que moi-même, je n'ai pas encore fait son deuil. Vous imaginez. À combien de fois, tu as raison, penser à ses enfants et penser à sa propre famille. Je pense que c'est à un certain moment, c'est la famille de ma défunte épouse qui a commencé à me dire, il faut te remarier. Il faut te remarier. On a vu comment tu aimais ta femme, non, remarie-toi et tout ça là. Mais je suis resté. Parce qu'il y a quand même un minimum de respect. Il y a un minimum de respect. Vous le faites pas parce que vous êtes obligé de le faire. Pas parce que si vous ne le faites pas, on va vous mettre en prison ou bien votre ministère va ouvrir, vous aurez une mauvaise réputation. Non, non, il est dans son droit le plus absolu. Dans son droit le plus absolu. Mais seulement, s'il le fait maintenant, il va blesser beaucoup de personnes. Ça sera un scandale. Et je ne sais pas comment
dans sa maison, ses enfants prendront cela. Parce qu'il faut que le cœur des enfants guérisse et qu'ils soient capables, aptes à accueillir une nouvelle maman. Mais il faut faire des études, c'est compliqué. Surtout quand vous avez des enfants, vous ne vous remariez pas juste facilement comme ça. Parce qu'il y a des conditionnalités profondes et complexes. Est-ce que les enfants vont accepter la nouvelle? Est-ce que la nouvelle les aime? Est-ce qu'elle va les aimer? Est-ce qu'elle va continuer leur éducation où l'ancienne a commencé? Est-ce que les enfants vont l'aimer? Est-ce qu'elle va aimer les enfants? Parce que tu ne peux pas aussi avoir tes enfants, tu les as éduqués et tout ça. Tu vas prendre une femme qui va venir combattre tes enfants à la maison? Non. Non, c'est inadmissible en fait. Il faut une femme qui soit leur mère. Et je pense que pour cela, même les enfants ont besoin d'avoir un peu de temps avec cette femme pour la connaître, la côtoyer, essayer de voir. Et ça te donne aussi toi le temps d'observer pour voir s'il y a compatibilité d'humeur ou incompatibilité d'humeur. Est-ce que les enfants, puis le mariage, est-ce qu'il sera harmonieux et tout? Parce que si l'entrée là est ratée, alors tu peux aimer ta femme, tu peux t'entendre avec elle, mais tes enfants sont malheureux. Ou tu seras dans ton foyer divisé entre deux puissances nucléaires. Deux grosses puissances nucléaires. Tes enfants et ta nouvelle femme. Et ça sera, si les deux ne s'entendent pas, tu ne seras pas heureux. Parce qu'à un certain moment, tu seras toujours en train de séparer des conflits diplomatiques, des incidents diplomatiques. Tu ne peux pas être heureux en fait. Soit tu prendras le parti de tes enfants et ta femme sera malheureuse. Soit tu prendras le parti de ta femme et tes enfants seront malheureux. Soit tes enfants vont l'accuser d'être une mauvaise mère, peut-être sans qu'elle ne le soit. Ou elle accusera tes enfants de mauvais enfants, de lui manquer de respect, peut-être sans qu'il ne le fasse. Mais dans tous les cas, cette entrée-là, si elle est ratée, à l'intérieur, il y aura des sérieux problèmes. Donc, ce n'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Pas les enfants, quand ils sont grands déjà, mais ils sont très territoriaux. Ils n'oublieront jamais leur mère. Et ça, il faut le comprendre. Même s'ils adoptent une autre femme pour mère, si cette femme est trop gentille avec elle et avec eux, et puis leur appelle leur mère, elle a de l'amour pour eux, oui, ils peuvent assimiler cela. Ils diront, Dieu nous a envoyé une nouvelle maman. Ils vont l'aimer, ils vont se soumettre à elle et tout. Mais si cette femme a son caractère qui est différent de celui de leur maman et qu'elle use de dureté envers eux, même pas toujours dans le mauvais sens, pour les éduquer, les enfants verront que non, celle-ci, elle vient pour... D'ailleurs, elle vient d'où? Donc, il faut faire attention. Elle nous impose les choses et voilà, on ne peut pas accepter ça. Si maman était là, et là, vous entendez les enfants dire à leur papa, si maman était là, on ne vivrait pas si maman était là. Donc, vraiment... Mon bien-aimé pasteur Marcelo, il faut prendre le temps. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est des choses qu'il faut... Et puis une autre chose qu'il faut considérer et qui est très sérieuse en même temps aussi, c'est que Maman Blanche l'a connu quand il n'avait rien. Donc il a eu l'épreuve de son amour pur. Mais aujourd'hui, où il est placé dans la gloire, dans la renommée, dans la richesse, qui va te refuser, mon frère? Qui va te refuser? Quelle femme va te refuser? C'est les femmes qui vont porter la demande. Tu n'as pas besoin de chercher une femme. C'est les femmes qui vont te chercher. Et c'est ça le danger des hommes qui ont réussi. C'est qu'il est plus facile pour un pauvre, un démuni, de connaître la femme qu'il aime, pour un homme qui n'a pas. Parce que toutes les femmes vont le fuir. Celle qui va l'accepter là, il sait qu'elle m'accepte pour rien, je n'ai rien. Mais l'homme qui a, toutes les femmes vont l'accepter. Et les femmes seront prêtes à tout. Les femmes seront prêtes à tout pour l'avoir. Oui. Elles seront prêtes à tout, rétracter leurs griffes. Parfois, peut-être, c'est une fois dedans qu'elles vont sortir les griffes. Maintenant,
Une autre chose que mon bien-aimé doit comprendre, parce que vous savez, quand quelqu'un a perdu sa femme, là, il perd d'abord le sang de sa tête. Hein. Donc, pour moi, tout ce qu'il dit là, je ne considère pas ça. Parce que je connais ce que la perte d'une épouse peut produire dans le cœur d'un homme. Donc, je ne considère pas ça, mais on parle quand même. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans la position qu'il a, maintenant, son mariage sera un combat. Il faut que l'église soit derrière lui. Il faut que ses amis soient avec lui. Parce que le diable fera tout pour qu'il rate l'entrée là, dans le mariage. Que cette fois-ci là, il rate. Et s'il rate son ministère, aura des conséquences. Ça sera un peu comme quelqu'un dont on a eu une bonne réputation dans son mariage. Et puis sa femme est morte, il s'est remarié. Et là maintenant c'est la catastrophe. Le diable va tendre un piège. Donc il faut prendre le temps pour étudier. Même si tu as choisi une femme, prends ton temps. Ne sois pas pressé. Vaut mieux ne pas se marier que de se marier et se rendre compte qu'on s'est marié à la mauvaise personne. C'est maintenant que le diable a tous les intérêts réunis pour essayer de te renverser, mon frère. Donc, il ne faut pas jouer. Peut-être quand tu n'avais rien, quand tu étais encore jeune là, tu pouvais jouer. Oh oui. Parce qu'il n'y avait pas cette grosse étoile. Tu ne portais pas sur tes pectoraux le salut de millions de personnes sur la terre entière, dans toutes les nations. Maintenant, tu as une menace pour Satan. Tu as une grosse menace. Tu as une grosse menace pour le monde des ténèbres. Et Satan ne peut pas te laisser comme ça. Et il faut dire ça à mon frère. Le diable ne te laissera pas comme ça. Il faut faire attention. Et je pense que, ça c'est mon point de vue personnel, il n'est pas obligé de me croire ou d'accepter ce que je dis. C'est mon point de vue personnel. C'est encore trop tôt, à mon sens, pour avoir le discernement complet. Parce que là encore, je dis, même si j'ai dit à quelqu'un que quand vous voyez le pasteur Marcelo, il parle en public là, quand il est seul, il ne s'en va pas. Ça ne passe pas rapidement comme ça, non. Il y a des souvenirs à la maison, il y a des choses. Il y a un tabouret là, il y a une chaise là, il y a quelque chose comme ça, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Il y a tellement de souvenirs. Donc, ce n'est pas un moment où on est lucide. Non. Il ne peut pas être lucide maintenant comme lorsque sa femme était en santé auprès de lui. Non, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas le moment de prendre de grandes décisions. Il faut d'abord prendre du temps. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. C'est le temps de réfléchir, de faire attention. Parce que si on va là maintenant, il n'a pas tous ses sens réunis. Il a besoin de consolation. Même si vous le voyez fort, il sourit et tout. Mais je peux vous assurer que la nuit, il pleure. Qu'il reste seul, il éclate en sanglots dans sa chambre. Peut-être sans faire que ses enfants n'écoutent. Il étouffe ses pleurs avec son oreiller. Mais un général ne montre pas sa faiblesse devant son troupeau. Devant les gens, il doit parler fort. Rassurer les gens que d'accord, je vais me remarier et tout. Ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais c'est juste le conseil d'un frère en Christ. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est une décision très compliquée. Elle est très compliquée. Il y a des choses qui parfois, bon, c'est des choses compliquées, il faut faire attention. Mais Dieu qui est son Dieu le gardera, le protégera, le préservera. Tout le monde, nous prions pour lui. Et David a dit, Yahweh Rohilo Esar, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, Ego eimi he opohim he okalon, moi je suis le bon berger. Que Dieu soit son bon berger. Je considère ça là comme étant les manifestations de la douleur qu'il ressent. Mais je dis encore, il est en train de traverser une zone de turbulence, une zone très très dangereuse. Ce n'est pas la zone où il faut prendre une décision.
comme celle-là parce que il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir en compte. Est-ce qu'avec mes enfants, elle va s'entendre? Est-ce qu'elle prendra mes enfants comme ses enfants? Est-ce qu'elle aimera mes enfants? Est-ce qu'elle continuera dans l'éducation que la défunte a laissée à ses enfants? Est-ce que sur le plan ministériel, elle sera à la hauteur du ministère? Est-ce qu'elle me comblera personnellement? Est-ce qu'elle m'aimera? Est-ce qu'elle me respectera? Il y a tellement de choses. Est-ce que l'Église l'appréciera? Toutes ces choses-là, il faut prendre du temps pour se rassurer que toutes les cases sont cochées. Et même quand les cases sont cochées, il faut revenir encore au début. Réétudier, recocher. Revenir encore. Tourner la personne, tourner la femme-là, la situation-là. L'éprouver, vérifier, faire tout. Regardez dans tous les sens avant de dire, ok, d'accord, c'est bon, je m'engage. Mais c'est une zone de turbulence, une zone très dangereuse, une zone le plus souvent où on commet de graves erreurs. Lorsqu'on ne reste pas tranquille, lorsqu'on ne reste pas calme, on va commettre des erreurs. Donc il faut prier pour mon frère, parce que c'est des zones, c'est un moment de turbulence où on peut commettre de graves erreurs, des erreurs bêtes. C'est-à-dire que tu portes des actions, tu te demandes, est-ce que c'est papa qui fait? Mais parce que l'esprit est troublé en fait. Donc voilà, bien-aimé. Ça, c'était mon point de vue. Et en outre, chacun est libre de penser aussi comme il voudrait. La Bible dit, si quelqu'un est d'un autre avis, Christ l'éclairera. Donc, je souhaite un bon rétablissement à notre frère, le pasteur Marcelo. Je souhaite aussi que Dieu lui trouve une très bonne femme. Oui, une femme qui va ramener l'équilibre dans sa maison. Pas cette femme, si elle vient, elle aura ses enfants. Pas une femme qui va mettre la guerre entre ses enfants et les enfants qu'elle a trouvés. Non. Mais une femme paisible. Une femme qui est morte en Christ. Une femme qui aime Christ. Une femme. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Au nom précieux, souverain de Jésus. Shalom. Bonne nuit.